Un coup de cœur. Veuillez vous asseoir. Please be seated. La chambre va continuer d'entendre the chamber le témoin. Will continue. Bonjour, monsieur. To the testimony of the witness. Réponse, oui. Good afternoon, Mr. Aikun. Nous allons continuer, donc veuillez écouter et répondre aux questions de l'accusation. So please listen Monsieur to the questions adjoint, by the prosecution and vous allez respond to them. Présent. Mr. Deputy Co-Prosecutor, you have the floor. Merci, bon après-midi, Monsieur le Président. Thank you, good afternoon. Monsieur le témoin, Mr. j'espère President. Que vous avez eu l'occasion de vous reposer. Mr. Witness, I hope you've had je vais poursuivre avec les questions. Je vous demande de faire comme rest. Ce matin, c'est-à-dire de répondre le plus honnêtement et le plus précisément possible. And I ask you to respond to the questions as avant honestly la pause, and as accurately as possible. Nous avions parlé d'un bureau de rééducation break, qui se trouvait à Angroka, a re-education à peu près à 300 mètres Angroka, du bureau du district. At approximately 300 meters from the district office. Est-ce que vous savez qui était responsable de ce bureau de rééducation? Quel était le cadre qui le dirigeait? Who was the cadre who headed that office? Réponse. Answer. C'était Meng. It was Meng. Je ne sais pas s'il reste encore en vie I do not know whether ou he's non, still alive. Où il habite, mais je me suis séparé Nor do de I know lui where depuis he resides. Août Because 78. Since August 1978, je ne l'ai jamais revu depuis. I have never seen him again. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que Ruo, qui travaillait au bureau du district, c'était un cadre, un milicien chargé des arrestations. Est-ce que Ruo travaillait souvent avec Meng concernant ce centre de, ou ce bureau de rééducation? With regard to that re-education office. Réponse, oui, Answer? Quant à la maison, les camions transportaient des marchandises. Trucks were transporting de la sauce de supplies, poisson pour les distribuer including aux coopératives. Fish sauce that had to be distributed to cooperatives. Meng. So did it with Meng. Et concernant les arrestations and et la rééducation proprement dite au bureau tout près de tout près d'un gros cas, office, est-ce que Ruo allait souvent voir Meng, par exemple, often pour discuter de ces questions Meng, de sécurité? Instance, est-ce que vous savez ça? Such security matters. Do you know about that? Bah, je l'ai vu de mes propres yeux. I saw him with my own eyes. Quand il y a des fautes de conduite dans les villages, les when auteurs ont été arrêtés et envoyés au village, district. The et perpetrators le of district such transmettait offenses ces were arrested and sent to the districts, and the district Meng would arrest those persons and send them Merci. To the office Tout à l'heure, vous avez dit que la rééducation à cet endroit durait entre 3 et 6 mois. That re-education Est-ce que vous avez jamais entendu de la part de gens du bureau du district Did you ever ou de miliciens people in the district office que or militias des gens en rééducation chez Meng say that étaient transférés people ailleurs who were assigned for re-education ou bien qu'ils étaient exécutés? Est-ce que vous avez jamais entendu cela? Transferred elsewhere or were executed? Did you ever hear of that? Non, ce n'est pas vrai. No, that is not true. Parce que au bout d'un mois Because et demi, of, on disait aux half, prisonniers que ils s'étaient bien corrigés, donc ils allaient être libérés, pas renvoyés à leur village d'origine. And sent back donc, to their villages of origin. Aucun de des prisonniers de là-bas so n'a été exécuté.
there were executed. Est-ce que vous-même vous avez revu ces prisonniers par la suite quand ils étaient renvoyés chez eux? Est-ce qu'il y en a certains dont vous avez retrouvé la trace après 79 par exemple? After 1979, did you get in touch with any of them, for instance? Non, je n'ai vu personne. No, I did not see any of them. Bien, est-ce que vous avez jamais entendu parler du bureau 204, 204 dans le district de Tramkak? 204 in Tramkak district. Réponse non, je n'ai jamais entendu parler du bureau 109. I never heard of office 109. Pardon, je vais reprendre. Je parlais du bureau 204. 204 et non pas du bureau 109. Est-ce que le bureau 204 vous dit quelque chose? Office 109. Does the office 204 ring a bell to you? Réponse oui, je le connais. Yes, les I knew habitants about that qui restaient après répartition dans les villages, les coopératives, ils ont été retenus à ce bureau, à cette prison, et ils devaient travailler, faire un travail de défrichage. Il fallait plusieurs fois pour assurer ce travail. Do work. Voilà, donc cela a duré de 75 jusqu'à 79 et il n'y avait rien à manger là-bas et donc il y a eu beaucoup de morts à cause de alimentaire. Le bureau de 204 s'appelait Office 204 was called et c'était un endroit éloigné des autres coopératives ou d'autres lieux. Voilà. Other cooperatives and other places. Oui, est-ce que vous avez entendu qu'en plus de mourir en raison de pénurie alimentaire, des gens sur place auraient été tués? People who were detained there were killed. Réponse non, jamais. Answer no, never. Les morts, les gens qui étaient là-bas sont mortes sans que personne ne les enterre. Donc ils étaient morts comme des bêtes. Buried them, so they died. J'en viens maintenant à une période très spécifique. Il s'agit de la période d'avril à mai 1977. Donc on va dire la fin de la saison sèche en 77. Est-ce que vous vous souvenez si à cette période-là, il y a eu un moment justement où les anciens gradés ou fonctionnaires de l'ONOL étaient à nouveau ciblés? Est-ce qu'on a cherché à les identifier et à les rassembler? Targeted. Did they try to identify them and assemble them? Réponse non. Answer, ils n'ont pas été rassemblés dans un endroit. Les gradés ont été identifiés et envoyés en cadre du district et il y a un groupe une équipe de travail qui les accueillait s'ils arrivaient la nuit, on les accueillait le jour même. Donc ils travaillaient 24 heures. Donc c'était une période assez intense au niveau du travail du bureau du district, si je comprends bien. Pourquoi, à cette période-là, y a-t-il eu cette vague d'identification, d'arrestation de ces gradés ou fonctionnaires de l'ONOL? Est-ce qu'il y a eu des instructions qui ont été données en ce sens? Matter.
Réponse, je n'en avais pas connaissance parce qu'il y avait un slogan qui disait qu'il fallait détruire les féodaux capitalistes révisionnistes ainsi que leur régime et jusqu'à extinction. C'est en suivant ce slogan que cette opération a été menée. And after that slogan was bandied about, that operation. Comment se passait exactement cette opération? Est-ce que c'était les communes qui amenaient ces personnes qui étaient identifiées jusqu'au bureau du district, ou bien est-ce que c'était des miliciens du district qui allaient les chercher dans les communes? Réponse. Les communes n'étaient pas au courant. En fait, c'était les soldats du district. Avaient reçu les noms sur une liste. Who had received lists of names, donc c'était les soldats du district qui allaient arrêter des gens ensuite envoyer à la commune sent to the commune les personnes arrêtées. Vous avez parlé de listes. Donc les arrestations étaient faites sur base de listes. So, people were identified. Qui avait confectionné ces listes d'anciens fonctionnaires et militaires de l'ONNOL? Former L'ONNOL officers and civil servants. Bacal. Réponse. Answer. Pour la confection des listes, c'était le chef de la jeunesse du district qui s'en chargeait. Quand il a été découvert que X était un gradé, donc il établissait le rapport, adressait le rapport à l'encadre du district et le district le transmettait à la province et ainsi de suite. Et après, X est entouré au silo rouge. Et le district envoie ce nom aux soldats du district qui se rendaient sur place pour arrêter X en question. Go to arrest the person in question. Bien, je voudrais simplement vous lire un ou deux rapports qui ont été envoyés à l'époque par certaines communes. Je ne vais pas vous demander de suivre sur les documents parce que ce sera peut-être un peu compliqué. Voilà, alors tout d'abord, je prends un exemple. C'est le document E3-20482048. À la page en Khmer 000-79089. En anglais 00-07-65-62-63 et en français à la page 2 00-61-16-59. Alors c'est un rapport de Ye Burn dont on a parlé tout à l'heure de la commune de Qingtong, adressé le 30 avril 1977 à la direction de l'encart du district de Tram Kak, qui dit ceci. Je cite, à propos de la situation des ennemis qui se trouvent dans ma base, après avoir reçu les recommandations successives de l'encart concernant la vigilance à l'encontre des ennemis et le nettoyage des soldats des ennemis qui étaient dégradés, on a surveillé, examiné et identifié les personnes ci-après. Et ce rapport cite les noms et les grades de deux anciens militaires de l'ONNOL. Dans le même document, in the same document, toujours E3-20482048, deux pages plus loin, en Khmer 00-79091, en anglais 00-27-65-64 et en français
and in French 00 61 16 64. C'est à la page 4. That is on C'est un autre four. Rapport. It is another Il s'agit report là d'un rapport de la commune de Tapem, envoyé à la même période, le 28 avril 1977, qui rapporte que la commune avait, je cite, après avoir reçu les recommandations du parti, examiné et nettoyé des ennemis qui étaient des gradés. Fin de citation. Monsieur le témoin, je pourrais multiplier les exemples. Il y a beaucoup de rapports de ce type établis fin avril au début mai 1977 dans le dossier. D'après ces deux rapports, on parle de recommandations du parti. N'avez-vous jamais entendu qu'il y avait des recommandations du district qui étaient envoyées aux communes concernant l'arrestation de ces gradés? Le président, monsieur le témoin, patientez un instant. Maître Consumon, allez-y. Maître Consumon, merci, monsieur proceed. Le président. J'aimerais Thank faire you, une remarque like sur les conclusions de l'accusation. The prosecution's findings. Il dit qu'il s'agit d'un document de Yeboun, alors que Yeboun avait déposé ici. Elle a dit que ce n'était pas son document fait par elle-même, mais c'est un document dont le bas, au bas duquel il figurait son nom, tout simplement. Document, donc, je tiens... Was evident was the fact that his name was on it, but he didn't say that he was the author of that document. That, and that is document E3/2048. Mr. President, I thank you. Monsieur le Président, si je peux répondre, cela n'enlève rien à la qualité de ce document. C'est effectivement un rapport dont on peut lire qu'il a été établi par Bun de la commune de Qingtong. Le témoin Yebun n'a pas dit que c'était un faux. Elle a juste dit qu'elle n'avait pas signé ce document. Monsieur le témoin, il semble, d'après ces documents, que les communes étaient au courant de cette... de ce processus d'identification et d'arrestation des gradés de l'ONOL. Est-ce que les communes ont reçu des recommandations du district à ce sujet? From the district to that effect? Réponse. Answer. Le district recevait les instructions de l'ANCA provincial après la province donne des instructions au district et le district les transmettait aux communes. District officials il n'y avait pas de relation du haut vers le bas. No c'était top-down du bas vers le haut. Relationship. It was from the bottom to the top. Bien. Quand vous parlez de province, est-ce que vous voulez parler du secteur 13? Est-ce que c'est ça que je comprends ou bien c'était, quand vous parlez de province, la zone sud-ouest? Oui, je faisais référence au secteur 13. I was referring to sector number 13. Très bien. Je vais avancer. Let us press on. Concernant les... Les évacués de Phnom Penh et d'ailleurs qui s'étaient retrouvés dans le district de Tram Kak. Est-ce que, en général, dans les communes, est-ce que vous savez si la discipline était plus stricte pour eux, et notamment pour les anciens soldats fonctionnaires de l'ONOL, que pour les habitants de la base? Notably, the former LONOL soldiers compared to the base people. Réponse non. Answer no. Mais on
Le traitement était le même pour les deux catégories d'habitants. Les deux catégories avaient les mêmes droits et qu'il fallait à l'époque se respecter les uns les autres. Je ne comprends pas trop bien ce que vous voulez dire par les mêmes droits. Quels droits avaient les simples habitants durant le régime de des Khmer Rouges? Est-ce que, par exemple, les habitants, qu'ils soient peuple nouveau ou peuple de base, avaient le droit de circuler librement? Réponse. Answer. On était au même piédestal. On n'avait pas le droit de se déplacer librement. Il fallait porter de la terre au biais des paniers. Donc, il fallait travailler et revenir prendre le déjeuner. Il ne fallait pas se mépriser mutuellement. Et évidemment, il y avait des gens qui surveillaient tout le monde. Mais il fallait que tout le monde s'aime à l'époque. But en réalité, est-ce qu'il ne s'agissait pas plutôt de même obligation plutôt que de même droit? Was it not rather a question of having the same obligations as opposed to having the same rights? Le président, veuillez patienter un instant, monsieur le témoin. Wait. Allez-y, maître Consomone. Je m'oppose à la question de l'accusation, parce que c'est comme si elle faisait sa propre conclusion. C'est comme si elle déposait elle-même. Donc, he is drawing his own conclusions and testifying, so I object to such a question. Monsieur le Président, j'ai posé cette question sur la base de la réponse que j'ai obtenue auparavant. I asked the question. On a bien compris que ce n'était pas des droits, mais qu'il fallait vivre ensemble et qu'il fallait être soumis à la même surveillance. En l'occurrence, il me semble, tout le monde peut comprendre qu'il s'agit plus d'obligations que de droits. That is why I drew the conclusion that it was more a question of obligations than rights. Can I ask the question, Mr. President? Le président. President. L'objection est bien fondée. The objection. Donc, monsieur le témoin, vous n'êtes pas tenu de répondre à la question. Witness, monsieur le procureur adjoint, veuillez reformuler votre question ou passer à une autre question. Est-ce que les gens ordinaires sous le régime des Khmers Rouges dans le district de Tram Kak avaient le droit de s'exprimer librement, de critiquer le régime, de critiquer la nourriture, ou de dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec les ordres qui étaient donnés? Réponse. Answer. Il fallait se taire. You had to. Nos soupes de shut. Riz étaient très claires, il n'y avait même que de l'eau. On n'avait même pas le droit de le dire. Dans nos soupes, parfois il n'y avait que de l'eau et il ne fallait pas le dire, sinon on risquait d'être emmené immédiatement. On risquait d'être considéré comme des opposants de la coopérative. Ye Peun a dit ceci dans son procès-verbal d'audition E319-12.3.2 à la réponse 120. Je vais citer ce qu'elle a dit en anglais. Quote what he said in English. It was my understanding that the new people were no good. They were the enemy and were not as valuable as the old people. Thus, they were not allowed to marry the old people. Ils n'avaient donc pas le droit de se marier avec le peuple de base. Est-ce que vous avez entendu durant la période suivante
l'évacuation des villes et plus tard que le parti se méfiait le 17 avril et que c'était des ennemis, comme le dit Yeboah. Because they were enemies, as Yeboah pointed out. Réponse. Answer. J'ai vu tout cela de mes propres yeux. I saw all that with my own eyes. Les habitants de base, the base people, étaient les surveillaient pour les emmener pour les kept tuer. Watch over them in order to. Non, en fait, tout le monde était traité de la même façon. Des gens nous surveillaient, ceux qui venaient de Phnom Penh comme les habitants de base. Whether they were people donc, from Phnom Penh or la the base people. Est, so the policy was applicable nouveau et au was peuple applicable ancien. To both the new people est-ce qu'à un moment people. Donné, dans le district de Tram Kak, on a any fait point in time, in une catégorisation de la population, c'est-à-dire on aurait classé les gens en catégories de plein droit, catégories de candidats, c'est-à-dire le peuple de base qui était affilié, et la catégorie des déposés, c'est-à-dire les évacués le 17 avril. Est-ce que vous avez entendu parler de cette catégorisation? Réponse. Answer. On m'a dit que j'avais une appartenance indésirable. À partir de mars 1973, l'établissement de catégorie a été fait. Donc paysan, pauvre, moyen, ouvrier, moyen supérieur, middle class. Ces gens, ces deux catégories étaient des gens de qualité et les capitalistes et les féodaux n'appartenaient pas à la bonne catégorie. Mes parents étaient impliqués de par leur appartenance originale et les riches ou les bourgeois étaient mal vus également et ils risquaient d'être emmenés pour être exécutés. Et donc dans chaque village, comme il y avait autant d'exécutions, il ne restait même pas un chien pour aboyer des gens qui passaient. Je vais revenir à l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure ou que Com utilisait fréquemment. To the expression you used earlier on, or that qui voulait dire que tous ceux qui s'opposeraient à la roue de l'histoire seraient écrasés. Opposing the wheel of history would be donc crushed. Je vais avec vous essayer de déterminer qui étaient les opposants au régime et quel sort on leur réservait. And what was the fate meted out vous avez dit to tout à l'heure qu'on ne pouvait pas critiquer on that it was la nourriture to criticize, to complain sinon about the food. On aurait été considéré comme opposant à la coopérative. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient les autres fautes, les autres délits qui faisaient qu'une personne était accusée d'être un opposant au régime? Let me give you an example. In 1973, there was an old woman who was a cousin to Tamok. And Tamok was in office 160 in the forest. And Ye Kom knew that this Ye Sien was a bit stingy, and she wants to borrow a horse cart. And then she said that Ye Kom should return within a month. But Ye Kom failed to do that, so she went to Ye Kom's house to locate the horse cart.
dans sa later on, pour she was arrested and she was walked to walk away to, about to be executed. Pour être and then Tamok came across and said why she was arrested and to be killed. Venu a demandé pourquoi elle était arrêtée pour être exécutée. Then it was told that she was an enemy, and Tamok said, how could you arrest an enemy with your bare hand? So let and scaffold her. And when she was unscaffolded, Tamok saw her, his cousin there, and then he blamed the people who made the arrest of his cousin, and that is a story about being stingy and not to let go of the horse cart that she owned at the time to the cooperative. Parce qu'elle n'avait pas voulu laisser sa charrette à bœufs à la coopérative. Bon, je vais essayer de revenir à la période qui nous intéresse le plus, 75-79, parce que l'exemple que vous donnez me semble être un exemple très particulier, une cousine de Tamok. Moi, je vais plutôt parler des gens ordinaires. Et peut-être partons de ce que Ye Bun a dit dans son procès-verbal d'audition E319, interview E319/12.2.3. Elle a dit ceci aux réponses 91 en partie et 147. Je vais citer en anglais. 147 and I will quote in English. Quote, answer 91. Réponse 91. The upper echelon instructed us on who the enemies were and I took those instructions back to the villages. They told us to seek out the opposition. Rechercher l'opposition. Answer 147. Réponse 147. The ones who damaged materials ceux qui endommageaient walked around to entice others and impact anchor by words or opposed anchor or used trickery were regarded as serious criminals. Ou alors ceux qui utilisaient des subventions étaient considérés comme des criminels graves. Est-ce que les déclarations de Ye Bun correspondent à ce que vous avez pu observer statements correspond to what you noticed sur la définition des opposants with regard to the definition entre 75 et 79. The opponents to the regime between 1975 and 1979. Satayang Maton Tlai Top. President Witness, please wait, and Counsel Kong Sum-on, you have the floor. Kong Sum-on, thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. I do not really have a strong objection to this question, and Ye Eun already testified before the chamber, and for that reason, her testimony is of a better probative value rather than to quote her previous interviews and put to this witness. Procès verbal d'audition que l'on est en train de présenter au témoin. Or rather to refer to her previous interviews by the OCIJ investigators. Thank you. Merci. Monsieur le témoin, je vais rajouter witness, alors un exemple pour que ce soit plus concret. Ye Bun a dit à l'audience Ye Bun said que voler that des assiettes ou des poteries or appartenant à la coopérative pour les enterrer était un crime grave. Elle a dit ça lundi dernier she said vers 15h30. Je vous ai également lu ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que ceux qui détruisaient ou endommageaient le matériel, ceux qui incitaient d'autres par des mots, etc., à s'opposer, ceux qui utilisaient la ruse étaient considérés comme des criminels sérieux ou graves. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces déclarations-là? Yes, that is very true. Oui, that's what happened. Très vrai. C'est ce qu'il se passait.
And that created the conflicts within the cooperatives. Et cela se met des conflits dans la coopérative. Je vais revenir plus tard sur la distinction entre crime grave et crime léger. Il y a une question que je me pose parce que on parle souvent de communes qui amènent des gens arrêtés au niveau du district. Est-ce que les communes disposaient d'un local ou d'un cachot pour détenir temporairement les personnes qu'elles arrêtaient avant de les transférer au district? Transferring them to the district. The communes did not have any authority to arrest and detain anyone. L'autorité nécessaire pour arrêter et mettre en détention qui que ce soit. If there was any issue, then the report would be made to the district, and it was up to the district to proceed with the arrest of that individual, and the individual would be arrested and detained at the re-education center. Oui, est-ce que le district parfois demandait à la commune, aux miliciens de commune, de faire les arrestations eux-mêmes et de les amener au district? Donc, la décision appartenant au district, mais l'exécution par les communes. Yes, that's how it worked. Oui, c'est ainsi que cela fonctionnait. Bien, je vais essayer de utiliser un document avec vous. J'espère que vous avez un certain nombre de documents tout près de vous et qu'il y a quelqu'un pour vous aider à retrouver ces documents. Alors, le document que je voudrais que vous puissiez regarder, c'est E3/4120. Est-ce que vous avez quelqu'un pour vous aider à le trouver, monsieur le témoin? Is there anyone next to you who can assist you in finding this document, witness? Bien. Yes. The visa staff, could you please assist the witness? Personnel de l'unité d'appui au témoin, pourriez-vous aider le témoin? To locate the document as indicated by the deputy co-prosecutor. Visa staff. Yes, sir. Mr. President, I located the document and I'm taking it out for the witness examination. Alors, la page qu'il faut lui montrer, c'est la page 00207-09-83. C'est la page de gauche. It's the left-hand page. Cette, parce qu'il y a deux pages, enfin, une page à gauche et une page à droite. Donc 00270983. En français, 00062-3344. Et en anglais, 00-3221-75. Est-ce qu'on pourrait également faire projeter ce document à l'écran, monsieur le président? La version Khmer, évidemment. The Khmer version of this document, of course. Yes, you can proceed with that. Allez-y. Bien, je vais résumer une partie et en lire un paragraphe. Ce rapport était envoyé par Khun, K-H-U-N, de la commune de Sri Ronom commune. Et il évoque l'arrestation et l'envoi à la police pour examen d'un membre du peuple nouveau. Ce membre du peuple nouveau avait laissé des canards entrer trois fois dans des rizières.
go into rice fields three times. Et puis il y a un paragraphe, and then there is a paragraph que je vais citer, that I'm going to quote, qui dit ceci. Which states the following. Nous voudrions informer le parti, we would like to inform the party, que ce 4 janvier 1977, that il y a encore d'autres membres du peuple January nouveau qui s'opposent à l'Ankar et au parti. Are opposing Ankar and the party. Donc, thus, nous allons les envoyer, I les arrêter, pardon, arrest them et les envoyer successivement au parti. Fin de citation. End of quote. Dans ce document, monsieur le témoin, document, witness, on parle des termes envoyés à la police pour examen. Word sending to the police for investigation, cela voulait dire envoyer so exactement où. This meant sending people exactly. Est-ce que where? C'était la police was du district, the district et que, police? Qu'est-ce que cela signifiait la police what du district, did the district? Concrètement, quel était le bâtiment exactly où il fallait que la commune envoie where les gens exactly pour were the examen people sent in order for them to be questioned? I cannot read it. Est-ce que vous avez entendu la question? Est-ce que vous pouvez répondre ou bien vous avez besoin de plus de temps? Or do you need more time? Please repeat your question. Yes, I was unclear on the question you put last. Je n'ai pas bien compris votre question. Oui, dans le document, Kuhn dit in the document, Kuhn says qu'il envoie à la police pour examen un membre du peuple nouveau. A new person to the police to be investigated, est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'était, so could, dans ce cas, la police? Est-ce que c'était le bureau du district? Est-ce que c'était un case, bureau de la sécurité du district? District office, was it the qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit level? Envoyer what à la police? Mean by sending to the police exactly? President, and Nuntius Council, you have the floor. Council for Nuntius, thank you, Mr. President. I would like to object to this question. In the Khmer documents, dans le document en Khmer, there is no word anywhere which mentioned police. Parler de police nulle part, il n'y a pas ce mot. Bien, c'est peut-être une fine question de traduction. Maybe parce qu'en français il dit nous, in French, nous l'avons alors arrêté English, et envoyé à la police pour examen. Was sent to the police for donc, examination. Monsieur le témoin, je reformule ma question. Witness, lorsqu'une commune arrêtait quelqu'un, someone, à qui exactement elle remettait to whom exactly la personne arrêtée? This arrested person, est-ce que c'était les miliciens du district? Was est-ce que c'était un bureau particulier qui recevait ces gens? To a special office? That is true that exact. When a person lorsqu'une was arrested, it would arrêtée not be sent to Anka at the district. The person would be sent to the forest. District, there would be no forêt trial of that person. And the person never returned. Ne revenait plus. Bon, une autre question sur ce fine document. Another est-ce que question with regard to vous this document. De ce Kuhn, do you remember Kuhn de la commune de Srenang? This Kuhn from Srenang commune. Quelle était sa fonction? And what were his duties? Kuhn in Srenang commune was the chief of that commune.
Est-ce que vous savez si à un moment il aurait été retiré ou purgé? At any given moment, if he was purged? Another commune which was far from the district's office, and I only knew sometimes he went to attend meetings at the district office. Assister à des réunions au bureau du district. D'accord. Je vais repartir maintenant d'une réponse que vous avez donnée au juge d'instruction. To an answer you gave to the co-investigating judge. Document E319.1.32. Ce sont les questions et réponses 17, 18 et 19. Answers 17, 18 and 19. Alors je vais lire ce que les enquêteurs vous ont demandé. Question 17. Est-ce que le chef de commune avait le pouvoir d'arrêter la population? Votre réponse. Les chefs de commune n'avaient pas le pouvoir d'arrêter des gens. Seuls les unités de district faisaient les arrestations jour et nuit d'ailleurs. Question suivante. Est-ce que la commune avait mission de passer des informations au district? Réponse, votre réponse. Oui, la commune devait informer le district sur les coupables de délits d'inconduite morale, entre autres, mais n'avait pas le pouvoir de faire les arrestations. Question 19. Quelle relation existait entre la commune et le district? Réponse 19. Il y avait des rapports et des listes de gens dont les noms entourés au stylo rouge devaient être arrêtés par le district personnellement. Les noms entourés au stylo bleu étaient arrêtés par la commune qui les remettait ensuite au district. Fin de citation. Donc par rapport à ce que vous avez dit juste avant, que les gens qui étaient arrêtés par les communes étaient envoyés directement dans la forêt. Ici, vous avez plutôt dit que les noms entourés au stylo bleu étaient arrêtés par la commune, qui les remettait ensuite au district. Est-ce que vous confirmez qu'effectivement, les gens dont les noms étaient entourés au stylo bleu étaient remis au district par les communes? To the district by the communes. Yes, that is correct. Is it exact? For those with their names circled in blue will be sent by the commune to the district. And the district would get mains and his unit to send them further to the re-education office. The person would not be beaten or tortured. And these are the people who probably slept with someone else's wife, and they would be sent for re-education. Une aventure avec la femme de quelqu'un d'autre, on ne faisait que les envoyer en rééducation. Bien, ce qui m'intéresse ici, c'est à quel niveau on entourait les noms sur ces listes ou sur ces rapports au stylo rouge ou au stylo bleu. Les coopératives, les communes qui prenaient cette initiative-là, ou bien c'était le district ou même le secteur qui procédait à cela. After the commune conducted an investigation into a person and whether that person had a political tendency or was a former CIA agent or a UN spy, then the commune would report it to the district. The district would then circle it in red ink and send it back to the commune. Cela à la commune. And that would mean to let the commune know in the cela afternoon permettait
the military from the district would come down to the commune to arrest that individual or person. And as I said, once such a person was arrested, he would not be sent to any office but to the forest and killed. Très bien, il y a une légère contradiction que je voudrais éclaircir avec vous. Dans votre dernier procès verbal d'audition, E319/8.2.4, ce sont les réponses 23 et 24 que je vais lire. Vous avez donné. Vous avez dit ceci en anglais. Vous avez dit ceci en Khmer, mais je le traduis en anglais. All work plans were decided at the provincial sector levels. Then the provincial sector sent the plans to districts, and the districts relayed the plans to communes. Question 24. Can you explain to us whether orders related to arrests or decision to kill came from the province or sector? And you said, answer 24, yes, that's right. For instance, the province sent reports with the names of the people to be arrested, annotated in red ink, to districts. Then the districts would send the reports to the communes. Then the communes would arrest the people whose names were annotated in red ink. Finally, the arrestees would be sent to Yeikom. End of quote. Donc ici, dans votre procès-verbal d'audition, vous avez rajouté un niveau de plus. You added an extra vous avez dit level. Que c'était le secteur qui en fait décidait. In fact, it was the sector est-ce que that made finalement the c'était le secteur ou le district qui prenait ces décisions who took these et qui entourait the sector les noms or the district, au stylo rouge? And who circled names in red ink? Man. First, the commune would conduct the investigation whether the person was a former KGB or CIA spy. Then, the name would be circled in blue and sent from the commune to the district. Then, the district would forward the name or the list of names to the sector, and not for long, the list would be returned to the commune, and that name would be circled in red, and then the district soldiers would come to the commune to arrest the person, and the person would not be sent to any office, but to the forest to be executed. Très bien. Savez-vous dans quelle forêt les gens étaient exécutés? In which forest people were executed? Est-ce qu'il y avait une forêt particulière? Was there a special forest for that? The area where they sent to Onka Kom's house was about 200 meters from Krang Tachan's office, and the area was called Prey Khmao Kon Khmein. And it was to the west of the road, and to the east, it was the Krang Tachan. And next to it was an area of forest called Prey Long. People who were implicated due to political tendencies will be sent there to be executed, that is, to be killed at the Prey Khmao Kon Khmei. And later on, the skeleton remains from the Prey Khmao Kon Khmei forest were gathered and stored at the Krang Tachan site. Conservé sur le site de Krang Tachan. Bien, est-ce que vous pourriez me dire, si vous en avez connaissance, si ces gens-là, les opposants dits politiques,
étaient interrogés avant d'être exécutés. That area was not an interrogation area. There was no trial, there was no court. If people were arrested and sent there, that would be the end of it. C'était la fin. Leur fin. Vous avez dit devant les juges d'instruction que les rapports ou les listes où les noms étaient entourés en bleu et en rouge, vous en avez vu. C'est à la réponse 26 de votre procès-verbal d'audition E319-2.4. Et vous avez dit que vous aviez vu, en tout cas vous saviez que ces rapports avaient été faits par le secteur et vous en avez trouvé apparemment dans un panier dans le bureau du commerce du district à Tramcock. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances exactement vous avez vu ces listes avec les noms entourés en rouge ou en bleu? The reports that were sent from other sections through the district office, after they were read, then they would be placed into the basket. And people who smoked would sometimes get the paper for their tobacco. And that's the case that I saw those lists or reports. Comme ça que j'ai vu and the commune would send a report to the district. The district would send it further to the province, and later on it was sent back down. And it was the district soldiers who would conduct the arrest. Très bien, vous avez cité un certain nombre de chefs du district 105, vous avez parlé de COM, dans vos auditions aussi vous avez parlé de Tachim, de Takit, de Tachai, et enfin de Tassan, vous avez souvent appelé l'instituteur Uch. Lorsque les chefs successifs du district 105 adressaient des instructions aux communes, est-ce que les chefs de communes avaient le droit de ne pas obéir, de ne pas appliquer les instructions? No, the person did not dare. They would accept every instruction from the upper echelon. And these people, the person came to take control of the district office, which they burned in 1977 already. After Tachai Tachem had left. Après le départ de Tachai Tachen, Yeibun. Est-ce qu'il en était de même entre le secteur et le district? Est-ce que le district devait obéir aux instructions ou politiques qui lui étaient...